Bonjour, Yorana, bienvenue à l'Assemblée de la Polynésie française. Bâtie sur la place Taraheu sur laquelle était érigé autrefois le célèbre marais Taraheu Ipap-Ete, ce lieu symbolique accueillait les grands chefs et terribles guerriers du Grand Océan revenus des trois coins de Teahumaohi, le triangle polynésien, pour y débattre des questions de pouvoir, prestige ou encore gouvernance. Aujourd'hui, l'Assemblée est composée de 57 membres élus au suffrage universel direct pour 5 ans et représentant les 5 archipels de la Polynésie française. Nous allons vous expliquer le rôle de cette Assemblée et le fonctionnement des autres institutions du pays, mais avant, je vous invite à découvrir notre beau Fénoua. La Polynésie française est constituée de 118 îles d'origine volcanique ou corallienne, dont 76 sont habitées, représentant 4167 km² de terres émergées. Étendues sur une surface maritime équivalente à celle de l'Europe, ces îles sont réparties en 5 archipels. L'archipel de la Société, le plus peuplé, comprend 14 îles, dont les îles du Vent à l'est et les îles Soulevent à l'ouest. L'archipel des Tuamotu, qui s'étend d'ouest en est, celui des Gambiers, au sud-est, les Marquises, au nord-est, et enfin les Australes au sud, qui portent leur nom du fait de leur situation de part et d'autre du tropique du Capricorne. Forte de 270 200 habitants, dont la moitié a moins de 30 ans, la Polynésie porte une diversité culturelle et linguistique importante qui sont une réelle richesse. Outre le français et le tahitien, d'autres langues régionales restent pratiquées et vivantes, comme le marquisien, le paumutu, le mangarévien et les langues des îles australes. 75% de la population est concentrée aux îles du Vent, 13% aux îles Soulevent, 6% aux Tuamotu Gambier, 3% aux Marquises et 3% aux Australes. Quelle que soit la culture concernée, la religion est très présente. Protestants et catholiques constituent des communautés d'égale importance. Elles sont fortement concurrencées par les jeunes églises qui se développent avec les Mormons, les Adventistes, les Sanitos, les Pentecôtistes et les Témoins de Jéhovah. Hormis l'aspect spirituel, les églises jouent un rôle majeur de stabilisation sociale et d'encadrement des jeunes. Le PIB de la Polynésie française est de 532 milliards de francs en 2011, soit un PIB par habitant de plus de 1 990 000 francs pacifiques, l'un des PIB les plus élevés du Pacifique insulaire. En comparaison, le PIB de la Nouvelle-Calédonie est de 3 338 millions de francs pacifiques, aux îles Cook, d'1 290 000 francs pacifiques, et à Fidji, de 380 000 francs pacifiques. Historiquement, la pêche et l'exploitation du copra étaient les deux principales activités dans les îles polynésiennes. Les activités touristiques sont particulièrement développées aux îles Soulevent, où un quart des actifs occupés ont leur emploi dans l'hôtellerie et la restauration. L'activité reste bien orientée, en dépit d'un léger recul du nombre de touristes en 2013. Le secteur primaire, perliculture, agriculture ou aquaculture, emploie 7500 personnes en 2012 et représente moins de 3% des effectifs salariés fin 2013. Ce secteur, crise oblige, connaît aujourd'hui un regain d'intérêt avec la volonté du pays d'accroître l'indépendance économique et de satisfaire le plus possible l'auto-alimentation. Le secteur de la construction représente 7% des effectifs salariés, derrière l'industrie 8% et le commerce. De 1880 à aujourd'hui, l'institution délibérante de la Polynésie française a porté différents noms, de même que ses pouvoirs ont évolué au gré de la volonté du pouvoir central et sous la pression des revendications des différents courants politiques. Sous protectorat français à partir de 1842, c'est par un traité ratifié le 30 décembre 1880 conclu avec le roi Pomare V que Tahiti et ses dépendances deviennent les établissements français de l'Océanie, une colonie française. Devenu territoire d'outre-mer en 1946, la Polynésie française est dotée d'une assemblée représentative des intérêts propres du territoire, le gouverneur restant responsable de la préparation et de l'exécution des décisions.
Élue en janvier 1946, cette assemblée comprend 20 membres, puis 25 en 1952, date à laquelle elle est dénommée Assemblée territoriale. En 1957, le territoire prend le nom de Polynésie française. Le rattachement à la France est confirmé par le référendum constitutionnel de 1958. La loi du 2 juillet 1977 dote la Polynésie française d'une autonomie de gestion administrative et financière. Mais c'est surtout la loi du 6 septembre 1984 qui, en consacrant l'autonomie interne, constitue indéniablement une avancée majeure. En effet, c'est par ce statut que la Polynésie française est dotée d'un gouvernement qui n'est plus présidé par le gouverneur représentant l'État. C'est également ce statut qui reconnaît l'identité polynésienne par des signes distinctifs qui permettent au pays de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles. Le drapeau et les armes adoptés le 23 novembre 1984, l'hymne le 10 juin 1993 et enfin l'ordre de Tahiti Nui le 5 juin 1996. Les compétences des autorités de la Polynésie française seront sans cesse renforcées au cours des 30 dernières années, permettant aux institutions polynésiennes d'être compétentes dans plusieurs domaines comme l'économie, le commerce, l'emploi ou le travail. Dans ces domaines, l'Assemblée devenue Assemblée de la Polynésie française en 1996 fixe par ses délibérations, puis par ses lois de pays, les réglementations. Devenue collectivité d'outre-mer suite à la révision constitutionnelle de 2003, le statut de 2004 fait de la Polynésie française un pays d'outre-mer au sein de la République, mettant ainsi en exergue sa spécificité. Les institutions de la Polynésie française exercent dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État, les pouvoirs exécutifs et législatifs. Le représentant de l'État en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République, veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes. Les institutions locales comprennent le président de la Polynésie française, le gouvernement de la Polynésie française, l'Assemblée de la Polynésie française et le Conseil économique, social et culturel de Polynésie française. Le président de la Polynésie française est défini comme une institution depuis le statut d'autonomie de 2004. Il est élu à la majorité absolue parmi les membres de l'Assemblée de la Polynésie française au scrutin secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il nomme le vice-président et les ministres. C'est le représentant légal de la Polynésie française, le chef de l'administration et l'ordonnateur du budget de la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement dont il conduit la politique. Il dispose de toutes les prérogatives de la fonction exécutive. Il promulgue les lois du pays et est chargé de l'exécution des textes adoptés par l'Assemblée et des actes délibérés en Conseil des ministres. La fonction gouvernementale de la Polynésie française est exercée par l'ensemble des ministres, entre 7 et 10, qui sont chargés collégialement et solidairement des affaires relevant de la compétence du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a un pouvoir normatif dans les matières qui lui sont attribuées, et il prend les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre des actes délibérés par l'Assemblée de la Polynésie française. L'Assemblée de la Polynésie française est l'unique institution politique du pays élue directement par le peuple. La première assemblée représentative a été créée le 31 août 1945. Elle se compose alors de 20 membres élus au suffrage universel direct pour 5 ans et représente déjà l'ensemble des populations des archipels. L'Assemblée est composée depuis 2004 de 57 représentants issus de tous les archipels de la Polynésie française, qui constituent une circonscription unique divisée en 4 sections électorales. L'institution est représentée par un président élu en son sein par les représentants pour toute la durée de son mandat de 5 ans. Il est assisté dans la direction et la gestion de l'institution par le bureau de l'Assemblée, composé de 3 vice-présidents, 3 secrétaires et 3 questeurs, désignés à la proportionnelle des groupes politiques. Il est également l'ordonnateur du budget de l'Assemblée. Il organise et dirige les services de l'Assemblée. L'Assemblée a 2 principales missions, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. L'Assemblée est le législateur polynésien. Elle adopte les textes qui lui sont déposés soit par le gouvernement, soit par les représentants. L'Assemblée contrôle l'action du président de la Polynésie française et du gouvernement. Ce contrôle peut se faire par des questions au gouvernement, par la création de commissions d'enquête ou par la mise en cause de la responsabilité du gouvernement qu'elle peut renverser au moyen d'une motion de défiance ou d'une motion de renvoi adoptée par au moins 3/5 des représentants de l'Assemblée. L'Assemblée de la Polynésie française est également consultée par l'État pour donner son avis sur des textes métropolitains qui peuvent s'appliquer en Polynésie française. Elle est obligatoirement consultée avant la ratification ou l'approbation par le Parlement national de tout engagement international qui intervient dans les domaines de compétences de la Polynésie française. Par ailleurs,
Elle vote son propre budget et celui du pays et approuve les comptes du pays. L'Assemblée se réunit deux fois par an en session ordinaire d'une durée de 90 jours. L'une dite administrative, qui s'ouvre le deuxième jeudi d'avril, et l'autre dite budgétaire, qui s'ouvre le troisième jeudi de septembre. Exceptionnellement, elle se réunit en session extraordinaire. Lors de ces sessions, les représentants se retrouvent en séance dans une salle consacrée à cet effet, l'hémicycle. Entre chaque session, c'est une commission permanente composée de 21 représentants élus qui règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'Assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence. En dehors de ces séances, il travaille au sein de commissions législatives spécialisées dans un domaine particulier afin d'étudier les projets et propositions de loi du pays, de délibération ou se prononcer sur les différentes demandes d'avis. Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'Assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du président de la République, délibéré en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française. Le Conseil économique, social et culturel, le CESC, est une assemblée consultative qui fait la jonction entre les institutions politiques du pays et la société civile. Obligatoirement saisi pour avis sur les projets à caractère économique, social ou culturel, le CESC peut également être consulté de manière facultative sur d'autres sujets. Le Conseil peut également réaliser de sa propre initiative et après un vote à la majorité des deux tiers de ses membres, des études sur les thèmes relevant de sa compétence. Elle est composée de 48 membres, désignés pour une durée de 4 ans et répartie à parts égales en trois collèges. Salariés, entrepreneurs et travailleurs indépendants et vie collective. Son président, élu pour 2 ans, est rééligible et garant du bon fonctionnement de l'institution et ordonnateur de son budget depuis 2005. J'espère que cette présentation de l'Assemblée de la Polynésie française et de nos institutions vous permettra de mieux comprendre leur fonctionnement. Merci Maruru et Pariana.